Grace Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Knott et Yves et Sylviane Santi pour la version française. Sous l'emprise de la grâce, demandez à une personne lambda ce dont elle a le plus besoin et vous obtiendrez une liste que vous auriez pu écrire vous-même. De longues vacances, une bonne nuit de sommeil, un meilleur salaire, un manuel pour élever votre adolescent. Mais derrière les premières réponses, il y en a une qui résonne pour chacun d'entre nous. La paix avec Dieu. Même si nous sommes nourris et reposés, même si l'augmentation est au rendez-vous, même si les adolescents sont gentils, nous ressentons la douleur d'être éloignés du Père. Les conséquences de mauvaises décisions, d'égoïsme et de paroles amères ronge nos consciences. Et il n'y a pas de plage ou de salaire qui puisse faire disparaître cette agitation. Jésus nous offre le cœur tranquille que nous ne trouverons jamais en cherchant. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. La promesse d'une vie nouvelle est toujours là, sous nos brisures, au-dessus de nos peurs, au-delà de nos meilleurs efforts. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez ? La grâce répond à ce dont nous avons le plus besoin. La connexion, l'amour, l'appartenance. Il n'y a rien de mieux dans ce monde ou dans le prochain. Alors, restez dans la grâce. Ce que vous venez d'entendre, la dernière phrase était « Restez dans la grâce ». Et c'est à travers cette grâce et par cette grâce que nous allons nous présenter devant Dieu pour lui offrir ce temps d'adoration. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Non parce que nous avons fait cet effort, mais parce que Jésus a donné son sang, sa vie, pour chacun d'entre nous. Pour toi également, qui es chez toi, sache que même si tu n'es pas avec nous, c'est grâce à cette grâce que tu peux entrer dans le royaume et participer à ce moment avec nous. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Avec moi, par ta grâce, nous voici. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang. C'est par ta grâce.
Élevons le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en entonnant notre doxologie. Ensemble, gloire soit à Dieu le Père, à Dieu. Bienvenue à toi, Père, Créateur des cieux et de la terre. Bienvenue au Fils, le Rédempteur. Bienvenue à l'Esprit Saint, le Consolateur. Ô Dieu Père, lorsque nous sommes venus dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, nous t'invitons, maître de cérémonie, à prendre toute la place qui t'est réservée dans nos vies, dans notre cœur. Merci, Père éternel, de remplir le cœur de chacun. En distanciel, en présentiel, remplir l'espace de tous, l'espace du temps, et remplir l'espace de ce lieu, et que ton nom soit élevé dans nos cœurs, dans nos vies, que nous fassions silence, et que ta semence de grâce, Père éternel, eh bien, puisse nous élever à salut, en Jésus. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi qui es chez toi, sois aussi le bienvenu, parce que sache que grâce au réseau, tu ne rateras rien de ce qui va se passer en ce matin. Dieu a un message pour chacun d'entre nous, quelle que soit la semaine que vous avez passée, quelles que soient les difficultés que vous traversez, quelles que soient les questions que vous vous posez. Sachez que vous avez fait le bon choix, être présent ici, parce que Dieu a les réponses, Dieu a la solution et Dieu est le baume de tous les problèmes que nous pouvons avoir. Laissons ces problèmes là où ils sont et concentrons-nous uniquement sur celui qui a donné sa vie pour nous en la personne de Jésus. Soyez donc les bienvenus, je vous salue comme ceci, je vous invite à faire pareil. À toi qui es chez toi, je te salue également et je te souhaite un bon sabbat. Nous allons commencer notre moment de culte en faisant comme Marie, nous asseoir aux pieds de Jésus pour écouter et, comment dire, nous remplir de sa présence, mais surtout des enseignements qu'il a pour nous. Nous chanterons les paroles du cantique 503. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds, je veux m'asseoir. Toi chez toi, si tu veux t'asseoir, tu peux le faire, mais imagine que Jésus est juste à côté de toi.
ta paix divine. Nous agenouillons pour la prière. Éternel Dieu, toi qui es au-dessus des cieux, toi qui es le Créateur, toi Seigneur à qui appartient l'univers, c'est vers toi, Seigneur, que nous voulons ce matin faire monter notre requête. Nous voulons, Seigneur, dans un premier temps, te dire merci. Merci de nous avoir créés. Merci, Seigneur, du fait que tu as partagé, Seigneur, avec nous ton souffle de vie. Et nous voulons, Seigneur, aussi te dire pardon parce que nous ne sommes pas toujours des bons gestionnaires de ce souffle que tu partages avec nous. Et en ce matin, ô Dieu, nous voulons te dire merci aussi de nous avoir conviés. Merci, Seigneur, d'avoir créé le sabbat. Jour, Seigneur, où nous nous tournons vers toi, mais Seigneur, de façon toute spéciale. Jour qui nous rappelle que tu es le Créateur de l'univers. Ô Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous voulons te dire, Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous, Seigneur, à nous asseoir à tes pieds et à tes côtés. Et nous voulons, Seigneur, ce matin te dire d'accepter aussi les dîmes et les offrandes que nous avons apportées. Et nous voulons là aussi, Seigneur, te dire merci parce que nous croyons que tu prends soin de nous. Et en retour, Seigneur, nous t'exprimons notre reconnaissance. Gloire te soit rendue par Jésus-Christ. Et nous voulons aussi te dire merci pour l'homme que tu as choisi pour nous parler de ta part. Seigneur, nous voulons tout d'abord te dire de rendre-nous, Seigneur, attentifs à ce que tu as à nous dire. Et puisses-tu, Seigneur, rendre, Seigneur, Lucien, Seigneur de ton esprit, et qu'il puisse se laisser, Seigneur, guider par toi, manipuler par toi, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, reconnaître en ce qu'il a à nous dire des paroles, Seigneur, que tu nous as envoyées. Nous te disons, Seigneur, merci encore une fois, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. J'invite les diaconesses à passer dans les rangs pour accueillir la dîme et les offrandes. Notre vie est rythmée par quatre saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et notre vie de chrétien, c'est aussi la même chose. Nous avons un printemps, un été, un automne où parfois les choses peuvent être un peu plus compliquées et l'hiver où il fait froid et parfois c'est dur. Mais nous avons une espérance et nous savons que quelles que soient les saisons de notre vie, Dieu agira en notre faveur et qu'il n'y a que Jésus et Jésus seul qui peut nous permettre de traverser ces épisodes, de traverser ces saisons. Dans la Bible, les saisons étaient marquées par des fêtes, par des temps où parfois la trompette sonnait. Et dans notre vie, c'est pareil. Dieu veut que nous sonnions de la trompette. Parce que le temps est peut-être venu de se rassembler pour prier. Le temps est peut-être venu de se purifier parce que Jésus revient. Et le temps viendra, ça je le sais, où nous allons nous réjouir parce que Jésus reviendra. Et je vais vous inviter à chanter tout cela en chanson. La trompette sonne sur notre pays. La trompette sonne dans notre pays. Pour que nous puissions dire à chacun, purifiez-vous parce que Jésus revient. Réjouis-toi parce qu'il revient. Mais surtout, rassemblons-nous pour prier ensemble et se fortifier. La trompette sonne. Rassemblez-vous.
notre pays, rassemblez-vous pour prier ensemble, pour chercher. Nous nous sommes préparés. Le temps vient maintenant pour se réjouir. Malgré les saisons de notre vie, parfois ça peut être difficile et nous pouvons passer, comme je l'ai dit, dans un moment où entre l'automne et l'hiver, on tombe malade, on est épuisé, on est fatigué. Mais sachez que le chrétien a toujours un objectif, une seule chose, d'habiter dans la maison de l'Éternel. C'est ça son objectif. Donc, il traverse les saisons pour pouvoir remplir et atteindre cet objectif. Et pour cela, il fait toujours cette prière. Seigneur, attire mon cœur à toi. Parce que comme Marie, je voudrais que tu sois à côté de moi pour m'aider à traverser ces saisons. Et c'est ce que nous allons chanter. Chanter que la seule et unique chose que nous voulons, c'est habiter dans la maison de l'Éternel. Et pour cela, nous allons aussi lui faire cette prière. Seigneur, attire mon cœur à toi, parce que je te désire tout près de moi. Une chose, et Seigneur, attire. Je vous invite vraiment à chanter ce chant, ces chants, comme une prière. Non pas comme un chant spécial, mais vraiment une prière de fond de votre cœur. Une chose que je désire.
Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Reprenons une chose. Laissons-nous attirer par Dieu pour mieux traverser les saisons de notre vie. Soyez bénis. Maintenant, c'est ton moment, une histoire mon Dieu, notre Créateur, te dit qu'il t'aime.
enfants. Oh, vous êtes nombreux ce matin. Est-ce que j'ai droit à un sourire? Est-ce que les adultes aussi, ils ont droit à un sourire? Vous voulez vous lever? On se tourne. Et là, on sourit aux adultes. Et qu'est-ce que les adultes aussi, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, un beau sourire pour les enfants. Super! Voilà. Alors, vous êtes contents, c'est les vacances? Oui! Top! Vous allez faire beaucoup de choses? Oh! C'est pas grave. Alors, aujourd'hui, mon histoire se trouve en Afrique centrale. Il y avait un vieil homme qui était SDF. Qui sait ce que ça veut dire, SDF? Alors, rappelle-moi ton prénom. Keren. Keren, alors. Sans domicile fixe. D'accord. Comment il est le sans domicile fixe? Pour les plus petits. C'est qu'il n'a pas d'habitat. Tout à fait. Alors, ce vieil homme marchait longuement dans les rues. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faisait quand il marchait dans les rues? Il demandait de l'argent. Tout à fait. Pour quoi faire? Pour se trouver une maison. Oui, pour se trouver une maison, oui. Et quoi d'autre? Pour avoir plein d'argent. Oui, encore. Pour se nourrir. Voilà, la priorité c'était se nourrir et se vêtir surtout. Et il marchait. À votre avis, tout le monde lui donnait? Et vous, si vous le voyez, est-ce que vous lui aurez donné? Oui. Sûr? Oui. Mais avec quel sou? Comment? Avec l'argent de notre tirelire. Ah oui, très bien. Et quoi d'autre encore? Vous marchez tout seul de temps en temps? Demander de l'argent aux parents. Oui, ça aussi. Alors ce vieil homme, il marchait à travers les rues et justement, oui, il mendiait. Il demandait de l'argent pour pouvoir manger. Mais ce vieil homme, à votre avis, à son âge, je pense qu'il avait peut-être entre 70 et 80 ans, est-ce qu'il peut parcourir une longue distance? Non. S'il est en bonne santé comme nous, si, il peut en parcourir. Hein. Mais là, sans domicile fixe, c'est un peu difficile pour lui. Alors il aperçoit au fond d'un jardin un banc. Et là, il se dit, là, je suis trop fatigué. Il faut que je me repose. Et là, il s'assoit. Et par contre, il est tellement fatigué qu'il finit par s'endormir. Il dort. Et là, il y a une jeune fille qui voit cet homme allongé sur ce banc. Et elle voit en plus qu'il est âgé. Et elle se dit, mais c'est pas croyable. À cette époque, il y a encore des personnes qui sont seules. Et surtout ce vieil homme, quelle tristesse! Donc du coup, elle prend dans son sac à main 350 francs CFA. À votre avis, 350 000 pardon, francs CFA. En euros, ça représente quoi? 350 000 francs CFA. 350 000 euros. Non, pas autant. 365 millions. Alors, ça représente 500... 28 euros. C'est quand même pas mal hein, pour un sans-abri. Hein. Donc, cette jeune fille, il est toujours endormi. Elle lui met, parce qu'il avait un petit sac qui lui servait d'oreiller, et elle glisse tout doucement l'argent. Et là, elle se dit, bon, j'ai bien envie de voir comment il va réagir quand il va trouver cette somme. Alors, elle se cache, mais bon, la personne âgée, elle avait envie de se reposer, hein. Donc du coup, elle a mis une heure pour se réveiller, mais elle a attendu. Au bout d'une heure, le vieillard se réveille. Et là, il n'en croit pas ses yeux. Qu'est-ce qu'il voit? Bah, cette énorme somme d'argent. Il se lève brusquement et dit, Seigneur, merci. Merci, car vraiment, je ne sais pas qui m'a donné cet argent, mais je sais que c'est toi qui me l'as donné. Alors, il faut savoir, en Afrique centrale, dans une période, on appelle ça... Alors, je reprends mes notes parce que ce nom, je n'arrivais pas trop à le retenir. L'harmattan. Alors, l'harmattan, c'est un vent qui est très froid la nuit et très chaud le jour. Et il est rempli de poussière, ce vent. Et donc, c'est très pénible pour la population. Et c'est un vent, pardon, qui vient du Sahara, du nord-est du Sahara. Et donc, il faut se protéger.
et donc cette somme tombait à pic. Donc, quand il avait cet argent, il est reparti dans une boutique et là, il a pu acheter des vêtements pour se chauffer. Pas une maison, mais il s'est acheté, à mon avis, qu'est-ce qu'il s'est acheté ? À manger. Tout à fait. Et quoi d'autre encore ? À boire. Oui, tout à fait. Et là, il est tellement heureux. Oui. Un lit. Non, il n'avait pas de lit, mais des pulls. Des vêtements. Des vêtements, exactement. Une couette. Et une couette. Et donc, il est tout content, il sort de la boutique, il est heureux, il repart avec toutes ses petites affaires et il se dit, super, je suis prêt pour cette fameuse, pour ce fameux vent. Alors, il continue à marcher et là, il rencontre qui ? Une jeune femme qui est en pleurs. Mais là, il s'arrête, il dit, c'est pas possible, pourquoi elle pleure autant ? Donc, il se rapproche, il lui demande, mais mademoiselle, qu'avez-vous ? Cette femme le regarde, sanglotante, elle n'arrivait pas à s'arrêter de pleurer. Et là, elle lui dit, monsieur, monsieur, je suis triste, mon fils unique est malade. Et pour le guérir, il me faut 350 000 francs CFA. Eh oui. Et donc là, le sans-abri regarde cette jeune femme et là, il lui dit, madame, arrêtez de pleurer, attendez-moi, je reviens. Qu'est-ce qu'il a fait, à votre avis, le vieil homme ? Alors, je donne... Qui n'a pas ? Il va prendre de l'argent. Mais il a tout dépensé ? Il va tout revendre. Tout à fait. Il a tout rendu. Et donc, il récupère cet argent. Il repart voir cette jeune fille. Et cette jeune fille le regarde. Et là, cet homme, il est tellement heureux de faire plaisir à cette femme. Et là, nous voyons que lorsque Jésus dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » dans Actes chapitre 20, verset 35, et bien là, effectivement, cet homme, il était très heureux d'avoir aidé cette femme pour pouvoir guérir son enfant. À votre avis, l'histoire s'arrête là ? Ah bon ? Quelle est la suite de cette histoire, si elle ne s'arrête pas là ? C'est qu'après, Dieu lui a donné de l'argent. Alors, encore mieux. Cette femme, elle regarde ce vieil homme et elle lui dit, « Monsieur, vous savez, c'est moi qui vous ai mis ces 350 000 francs CFA en dessous de votre sac. Et là, c'est incroyable. Vous ne me connaissez pas. Vous étiez dans le besoin et tout ce que vous avez, vous me l'avez donné. Eh bien moi, monsieur, je vous dis que je suis une femme très riche. Mon mari est très riche. Et aujourd'hui, vous étiez sans famille, mais aujourd'hui, je vous considère comme mon père. Et je suis heureuse de vous abriter jusqu'à la fin de votre vie dans ma villa. » Du jour au lendemain, cet homme était comment ? Au début, il était comment ? Il était pauvre, il était dans la rue. Et aujourd'hui, il est riche. Alors, la parole de Dieu, elle est vraie. Pourquoi ? Parce que dans Proverbe 11, verset 25, « L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrosera sera lui-même arrosé. » Et il dit encore dans Luc 6, verset 38, « Donnez et on vous donnera. » On versera dans le plan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi. Et ça, c'est vraiment réel, parce que cet homme qui n'avait rien n'a pas hésité de tout donner pour pouvoir sauver un enfant. Qui a tout donné pour nous sauver de nos péchés ? Jésus ? Tout à fait. Il était au trône de gloire. Il est descendu ici, méprisé, tué, pour faire quoi ? Nous donner la vie éternelle. Alors, je vous encourage aussi, les enfants, à être de généreux donateurs, afin que toute personne puisse être aimée comme Jésus nous aime tous aujourd'hui. Alors, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Mon Père Céleste, Dieu trois fois saint de l'univers, tu nous démontres encore que ta parole est vérité et que, Père éternel, dans ce monde entier, tu touches le cœur de chacun.
Et Père éternel, tu réponds aussi aux prières de chacun. Alors que cet homme n'avait rien, il a tout par ta grâce. Et je te demande, Seigneur, que ses enfants ne puissent pas oublier que le Dieu que nous servons est tout puissant et que tout ce qu'ils demanderont, selon ta volonté et selon sa volonté, ils obtiendront. Et qu'ils puissent, Seigneur, avoir aussi ces grands cœurs généreux pour pouvoir louer et glorifier ton saint nom. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Oui, regagnez vos places. Maintenant, c'est ton moment. Une histoire, mon enfant. Où Dieu, notre créateur, te dit qu'il t'aime tant. Maintenant, c'est ton moment. Une histoire, simplement. Viens. Je vous invite à vous mettre debout et je lirai dans la version Summer, Deutéronome 11, versets 11 et 12. Versets 13 et 14, excusez-moi. Si vous obéissez au commandement que je vous donne aujourd'hui en aimant l'Éternel, votre Dieu, et en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être, je répandrai sur votre pays la pluie du printemps, au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie de printemps. Et vous aurez de belles récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile. Je vous remercie. Asseyez-vous. Maranatha, sommes-nous sûrs de cela? Maranatha, bon sabbat. Chers amis, aujourd'hui nous sommes le 22 octobre. La question a été posée dans une classe. Et quand le dernier conseil des anciens m'ont dit, Lucien, eh bien, tu ne vas pas nous laisser. Non, tu ne vas pas nous laisser parce qu'on sait que tu es là. Mais pourrais-tu assurer ce serment le 22 octobre? Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi ce jour? Et on aurait pu changer de date. Et je me suis dit, Seigneur, eh bien, tu as choisi cette date, donc tu vas m'en inspirer. Et en effet, le 22 octobre est représentatif de notre Église. Le 22 octobre, c'est une date qui fait, alors pour certains, ça fait tâche, mais pour moi, c'est bien le contraire. Ça ne fait pas tâche. Mais c'est une date qui est ancrée dans la vie de l'Église adventiste. Annie, merci pour ce moment de louange. Christelle aussi, merci pour l'histoire des enfants, parce que j'ai retrouvé que Dieu vous a inspiré par rapport à ce jour. Nous sommes le 22 octobre et nous sommes à quelle saison? Nous sommes en automne. Je demanderai au multimédia de passer justement ce slide. C'est l'automne, qu'en est-il de ton champ? Je ne sais pas si vous aimez le jardinage, mais nous voyons que ça colle avec le texte que nous venons de lire. Il est dit aussi que le troisième âge est à l'automne de sa vie. Donc, troisième âge, c'est à partir de 60 ans. Donc peut-être pour les autres, vous n'êtes pas à l'automne de votre vie. Mais il dit aussi que
La jeunesse est au printemps de sa vie. D'ailleurs, nous avons dans nos 10 000 louanges un chant qui dit « Dès le printemps de ta vie, donne ton cœur à Jésus. » Donc, en fait, que ce soit le printemps ou l'automne, Dieu a une action bienfaisante pour nous. En tout cas, c'est un projet, c'est une promesse. Et c'est cette promesse que nous lisons dans Deutéronome 11. Mais avant tout, j'aimerais quand même vous relater cette histoire que vous connaissez un peu. Peut-être nos enfants ne connaissent pas assez. Mais l'histoire du 22 octobre 1844. Je veux dire que cela marque c'est l'anniversaire du mouvement Millérite. Ce mouvement a été secoué par une grande déception. Et cette déception était liée à la foi, l'espérance du retour de Jésus, ou sur terre. Et bien, ce qui n'a pas eu lieu. C'est l'histoire de notre mouvement, de notre église adventiste. Le 10 novembre 1844, eh bien, il y a eu une déclaration officielle du mouvement Millérite qui reconnaissent qu'il y a eu une erreur quant à l'interprétation de l'événement. Notez ce mot, l'événement. Il y a une erreur quant à l'événement. Sans remettre en cause la chronologie, ce que j'appelle la temporalité. Retenez ce mot aussi, temporalité. Événement, temporalité. Mais il y eut un enjeu à ce, entre guillemets, fiasco. Retenez ce mot, enjeu. Événement, temporalité, enjeu. Alors, il y a eu un enjeu, et je vais vous lire quelque chose tout à l'heure. Sachant aussi que 1844 n'est autre qu'une réplique de l'histoire de l'Église. Parce que nous pouvons croire qu'il y a eu ce désappointement, mais avant nous, la première Église a eu aussi un désappointement. Pour l'Église Millérite, eh bien, c'est que Jésus n'est pas revenu. Mais pour l'Église du 1er siècle, au temps de Jésus sur terre, les disciples aussi avaient une attente. Et l'attente, c'était quoi? Eh bien, qu'il y ait un roi qui délivrerait Israël de la nation sous le joug de Rome. Au contraire, ça n'a pas eu lieu. Ça a eu lieu où? Eh bien, Jésus est mort, a été crucifié à la croix. Donc, c'était une déception. Mais après ce double désappointement, tant pour l'Église millérite que l'Église du 1er siècle, il y eut quand même un grand miracle. Et c'est pour cette raison, souvent, nous restons sous le désappointement. Mais il faut comprendre, derrière cela, il y a eu un enjeu et Dieu a permis qu'il y ait un miracle. Alors, un miracle s'est produit, je dirais une forme de résurrection, le miracle de la joie. Sous le chemin d'Emmaüs, vous pouvez lire ce texte se trouve dans Luc 24, 31, eh bien, Jésus est apparu. Personne ne l'a reconnu. Et en discussion en discussion, eh bien, pour les disciples, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils reconnurent le Sauveur et il s'exclama, le Seigneur est vraiment ressuscité. Donc, plutôt que d'attendre que Jésus délivre la nation, eh bien, ils n'ont pas compris que Jésus voulait délivrer la nation et toute l'humanité. Mais là, ils l'ont compris. Pour l'Église du 1er siècle, c'est la résurrection du Maître, la consolation à venir par le Saint-Esprit. L'Église qui va prendre une nouvelle envergure. Que dirais-je pour l'Église des pionniers dont nous sommes issus? Eh bien, Jésus passe du lieu saint au lieu très saint. Le début de la dernière phase du plan du salut. L'amorce de la fin des temps,
la préparation du peuple, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans, au moment de louange. En lieu très saint, nous avons l'avocat, le défenseur de nos frères. Mais pour revenir à l'enjeu, je voulais juste vous lire quelque chose dans le premier écrit, page 235. C'est important de le lire. À la page 235, message du premier ange. J'ai vu les enfants de Dieu attendre avec joie la venue du Seigneur et se préparer à cet événement. Dieu voulut les éprouver. Quand Dieu éprouve, c'est une bonne chose. Dans Psaume 139, qu'est-ce que le psalmiste dit? Éprouve-moi, connais mon cœur. Sonde mon cœur, éprouve-moi. Et Dieu voulut les éprouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa main couvrit une erreur commise au moment de calculer les périodes prophétiques. Ceux qui attendaient le Seigneur ne virent pas cette erreur. Il ne fut pas remarqué non plus par les plus savants de ceux qui s'opposaient à la fixation des dates. Dieu voulait que son peuple fît face à une déception. Le temps passa et le Seigneur ne vint pas. Alors ceux qui avaient attendu l'avènement avec tant de joie furent attristés, c'est normal, et abattus. Mais ceux qui n'avaient pas aimé cette apparition du Sauveur, qui avaient accepté le message par crainte, furent tout heureux de ce qu'elle ne se soit pas produite. Je me suis posé la question, comment on attend le Seigneur Jésus et quand il ne vient pas, eh bien, on est content. C'est ce qui s'est passé en 1054. Donc, ils furent heureux que l'événement n'ait pas eu lieu. Leur profession de foi n'avait pas touché leur cœur, ni purifié leur vie. Ce passage du temps fixé était bien propre à révéler leurs sentiments réels. Et pour arriver au comble, page 236, si vous l'avez, alors, ces chrétiens se sont remis, comme les Béréens, à étudier la parole de Dieu. Ils se sont remis à l'étude de leur Bible et approfondir leurs études des périodes prophétiques. Et que se passe-t-il? La main du Seigneur découvrit les chiffres qu'elle cachait et l'erreur fut expliquée. Et je vous laisse continuer cette lecture chez vous. Premiers écrits, page 235, 236 et 237. Et c'est là Dieu a permis qu'il y ait une séparation de l'église millérite. Il faut que tous ceux qui ont attendu, qui ont gémi, eh bien, voici les descendants, c'est vous, c'est nous. La persévérance. Et avant de continuer, j'ai une question. Se pourrait-il qu'il se reproduise encore un grand désappointement aujourd'hui? Ne répondez à retenir pour plus tard. Car tous aussi, nous avons des attentes. Nous avons une attente. Comme on dit, jamais 203. Il y a eu l'église du premier siècle, il y a eu les pionniers. Mais se pourrait-il que nous, là où nous sommes, dans cette église, qu'il y ait encore un autre désappointement? Eh bien oui, Bagnolet, oui, peuple de Dieu, c'est l'automne. Après le 22 octobre 1054, cette perspective d'avenir, je dirais de vision d'avenir, est remise en notre mémoire. C'est pour cette raison que je vais vous raconter cette histoire. De grands désappointements ou déconvenus, il veut nous apporter une grande consolation, une glorieuse satisfaction. J'aimerais, avant de continuer ce moment de réflexion, appeler Annie. Tu peux venir, s'il te plaît? Et nous allons laisser le Seigneur embaumer notre cœur par un chant que peut-être certains connaissent. Merci.
Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Avec ce sauveur bien-aimé, change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Son beau nom fait vibrer mon cœur, sa voix semble un écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur, qui bannit les pleurs de mes yeux. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait, car je suis quand tu me souris, heureux en janvier comme en mai. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Amen. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première saison, la pluie de l'automne, la pluie de l'arrière-saison, du printemps, et ainsi de suite. Nous voyons ici que la promesse de Dieu, c'est une promesse qui est conditionnée par l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu à cause de par l'amour qu'il nous porte et que l'amour qu'il nous demande de lui donner par le service. Et vous n'êtes pas sans savoir, nous ne sommes pas sans savoir que justement, que il y a une dimension, je dirais une dimension spirituelle et prophétique dans ces pensées bibliques. Ce sont des pensées agraires parce que dans la Bible, il est parlé de plus de récolte. Donc on pense à l'agriculture. Mais c'est quelque chose qui a été divinement institué par Dieu. Il y a deux grandes saisons. On a parlé d'été, etc. Mais Dieu, pour Dieu, il y a deux grandes saisons. Alors, je vous permet de regarder ce tableau. Alors, il y a un calendrier civil et un calendrier ecclésiastique. Et vous allez remarquer que le mois Tichri, qui est le premier mois civil, eh bien, est passé au septième mois sur le plan ecclésial. Le septième mois Nissan, qui veut du sacrifice, etc., mais c'est le mois d'Abib, c'est le mois des épis, eh bien, qui est passé en premier. Et ça continue. Qu'est-ce que cela veut nous dire? D'une part, c'est que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Daniel a dit dans Daniel 2, 21 que Dieu, il change les temps, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, on a des mois, on a des noms des mois, mais Dieu disait premier mois, deuxième mois, septième mois. C'est comme ça qu'il parle. Et ces noms, en grande partie, qui sont issus de, je dirais, de la période
babyloniennes où les enfants d'Israël ont donné des noms qui viennent de Babylone. Mais ces noms ont une signification. Et donc, Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui, c'est de nous ramener dans ce temps-là. Avec quel calendrier qu'on fonctionne? Souvent, on a un temps, on fait des choses. Et la leçon que nous devons considérer ici, c'est que ce calendrier ecclésiastique, c'est le temps de rendez-vous avec Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans le livre de Lévitique, de Deutéronome. Il y a un calendrier et nous sommes en automne. Aujourd'hui, on va parler beaucoup d'automne. Ce sont des images d'agriculture qu'on retrouve pratiquement dans toute la Bible, de semences. On a l'exemple, par exemple, dans Marc et dans Luc, où Dieu apparaît lui-même comme un vrai agriculteur. Il est le semeur. Il sème dans des champs. Il nous est parlé aussi que Dieu est propriétaire du champ. N'oublions pas dans 1 Corinthiens 3, verset 9, qu'est-ce qu'il est dit? Que nous sommes le champ de Dieu. Et dans ce même passage, il dit que nous sommes aussi co-ouvriers. Donc il est très important de comprendre qu'à travers ces images, eh bien, Dieu veut que nous soyons dans une liturgie, dans un service. Et ce service, c'est l'alliance de Dieu à nous pour nous faire part de sa grâce. Et si les enfants d'Israël ont vécu ça d'une certaine manière, mais ça a une consonance spirituelle pour nous aujourd'hui. Il faut comprendre l'importance des pluies. Ça, c'est très important. Quand Dieu dit « Je vous donnerai les pluies », parce que les pluies ont une importance. Alors déjà chez Dieu, pour Dieu, eh bien, il faut comprendre avec ce qu'on connaît aujourd'hui, de ce qu'on vit, ce que les pluies automnales sont essentielles à la recharge des nappes phréatiques, la réserve souterraine, la petite réserve souterraine. C'est très important pour pouvoir, et surtout après une rude saison estivale. Donc pour assécher un peu, pas assécher, pour fertiliser le sol. La pluie automnale met fin aussi à plusieurs mois de sécheresse. Pensons à la sécheresse spirituelle. La pluie automnale, eh bien, permet la fécondation de la terre. Les pluies, eh bien, s'infiltrent dans le sol pour alimenter cette nappe. Ces pluies sont censées être beaucoup plus durables. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en semant, eh bien, Dieu n'envoie pas une grosse pluie, je dirais, orageuse. Mais c'est durable dans le temps. Dans le temps, c'est durable. Avec cette pluie, eh bien, la chaleur disparaît. Et la végétation, eh bien, est en train de se, pas métamorphoser, c'est pas le terme, de se régénérer. Ça, c'est très important. Et je me suis dit, mais quand j'ai lu le texte de Deutéronome, je me suis rendu compte que, vous restez sous cette image, eh bien, que la promesse de Dieu est certaine. Cette parole a été répétée à plusieurs générations. C'est pour cette raison que je vous ai mis à côté quelques dates. Dans Psaume 147, versets 7 à 8, bien, nous sommes 1035 à 1970 avant Jésus-Christ, au temps du roi David. Mais après le roi David, il y a eu plein d'événements qui se sont passés, surtout des événements pas très jolis pour le peuple. Bien, Dieu a substitué Ésaïe, 766 à 701. Et qu'il reprend, alors il répandra la pluie sous la semence, etc., que tu aurais mise en terre. Joël, pareil, quelque part.
il vous enverra l'appui de la première et de l'arrière-saison. Jérémie, vous lisez le texte, celui qui donne l'appui en son temps. Il y a Ézéchiel, il y a Zacharie. Et lorsqu'on voit que Dieu a parlé à tous ces gens, vous pouvez faire remonter l'image, s'il vous plaît. Donc la parole de Dieu est certaine. Quand Dieu répète quelque chose, c'est que cela s'accomplira certainement. L'autre partie, après... Alors, autant des disciples pareils, parce qu'on pourrait me dire que oui, Dieu a parlé à Israël, il a parlé à eux, pas à nous. Mais on se rend compte que cette parole-là, eh bien, cette parole-là, encore, a des effets pour l'Église primitive, mais aussi pour nous. Dans Matthieu 5, verset 45, il dit, « Car il fait lever son soleil sous les méchants et sous les bons, et il fait pleuvoir sous les justes et sous les injustes. » Alors, beaucoup ont pris ce texte pour dire que Dieu bénit tout le monde. Alors, faisons attention à l'étymologie. Là, il est dit que Dieu fait. Donc, on parle de la bienfaisance. La bénédiction, c'est quand Dieu dit de bonnes choses. Donc, Dieu, oui, il est capable de faire du bien à tout le monde, mais il ne dit pas de bonnes choses pour tout le monde. Parce qu'il reprend les méchants. Mais il fait pleuvoir. Et pourquoi il fait pleuvoir sur les bons et les mauvais, sur les injustes? Parce que Dieu veut faire connaître sa grâce à tout le monde et surtout sur les injustes. Parce que ce sont les injustes qui ont tendance à s'opposer à la grâce de Dieu. En effet, quand ils vantent, eh bien, tout le monde, méchant, bon, tout le monde ressent le vent de Dieu. Tout le monde va à la mer. Et dans Actes 14, c'est Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Les fêtes ont été instituées. Il est dit, je vous donnerai mes fêtes, que vous sachiez que c'est l'Éternel qui vous sanctifie. Donc dans tous les âges, donc nous sommes convaincus maintenant que cela nous concerne. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien. Dieu, c'est quelqu'un qui ne fait que du bien. En vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant avec joie. Alors, mes chers amis, quand nous entendons ça, eh bien, la question, c'est que peuple de Dieu de Bagnolet et de partout, eh bien, qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui? Quand Dieu a institué les fêtes, il était question de temps de rassemblement, de temps de convocation. Et c'est pour cette raison, je voudrais prendre le livre de Lévitique avec vous. Alors, prenez le livre de Lévitique au chapitre 23. Donc ça veut dire aujourd'hui, personnel, mes chers amis, c'est que nous sommes dans une période biblique d'automne. Nous sommes dans une période biblique d'automne. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Donc auparavant, il y a eu la Pâque, la période de la Pâque, Pêche sans levain, prémisse. Il y a eu l'intermédiaire, la Pentecôte. La Pâque, c'était un mois, c'est le mois de Nissan. Il y a eu la Pentecôte, le mois de Sivan, qui veut dire construction. Mais maintenant, nous allons aborder les fêtes de l'automne. Il est parlé des fêtes de trompette au début. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le septième mois du premier jour. » Et le septième mois, on l'a vu, là, c'était quel mois? Le septième mois biblique? Tishri. Le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son de la trompette. De repos publié au son de la trompette et une sainte convocation.
vous ne ferez aucune œuvre servile et vous vous offrirez à l'Éternel des sacrifices. Les trompettes dans la Bible, le chauffard, étaient là pour avertir. Pour avertir de danger imminent, mais aussi pour avertir que l'heure de la convocation est venue. Et les Lévites ont sonné de la trompette. Dans Nombre 10, verset 5, eh bien, il y a eu des convocations de la trompette. Dans Nombre 10, les deux trompettes d'argent. Et c'est intéressant de voir que il y a plusieurs niveaux dans le fait de sonner de la trompette. Dans Nombre 10, il est dit, fais-toi deux trompettes d'argent et tu les feras d'argent battu et te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Au verset 4, si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent à midi partiront, etc., etc. Donc nous voyons, Père Éternel, nous voyons, chers amis, que Dieu initie les choses. Il dit comment faire les choses, comment faire les sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Il faut sonner de la trompette, et le son de la trompette, eh bien, doit émettre un son clair pour que chaque personne puisse comprendre à quel moment c'est le départ, à quel moment c'est notre départ, etc., etc. Et donc, lorsqu'on parle de trompette, on pense à la musique, certes. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil. Dieu dit, voilà, à quel moment il faut sonner avec éclat. À quel moment il faut mettre plus de sourdines. À quel moment il faut bien agencer, etc. Donc, c'est une leçon, je dirais, peut-être dans un séminaire musical qu'il faut approfondir parce qu'il y a beaucoup de leçons là-dedans. Mais aussi les trompettes, c'est lié aussi, lorsqu'on regarde l'Apocalypse, eh bien, les anges sonnent de la trompette. Vous voyez, nous, sur terre, les sacrificateurs sonnent de la trompette, nous devons continuer à sonner de la trompette. Et à la fin des temps, c'est les anges qui sonnent de la trompette. C'est très intéressant. Et surtout, en ce qui concerne la septième trompette dans l'Apocalypse, qui est liée à l'inauguration du royaume de Dieu. Donc cela nous projette à la fin des temps pour l'inauguration du royaume de Dieu, dont il est question, la première résurrection, etc., etc. Et toutes ces fêtes, à toutes ces fêtes sont liées quelque chose, c'est le sacrifice. Et spécialement des holocaustes. Donc en quelque sorte, dans tout ce que nous faisons, mes chers amis, dans tout ce que nous voulons faire, eh bien, pensons à cette notion de sacrifice. De sacrifice, cela montre que c'est ainsi que nous allons progresser spirituellement avec le Seigneur, de manière réelle, de manière expérimentale. Cela ne peut se faire hors du fait. Cela ne peut se faire hors de la pensée et le sentiment que Jésus-Christ s'est offert en sacrifice total pour l'humanité. Il s'est offert pleinement à Dieu aussi. Dans Deutéronome 16, eh bien, effectivement, lorsqu'on récapitule, il y a trois grandes périodes de fêtes. Et la notion de sacrifice est toujours liée à la vie du chrétien d'aujourd'hui. Exemple, dans Romains 12, verset 1, c'est un verset que vous connaissez aussi, il nous est dit, offrez, je n'entends pas, vous voulez qu'on comprenne le texte, on va le prendre. Dans Romains 11, Romains 12 dit, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. La version grecque, c'est un culte logikos, un culte logique.
et soyez transformés. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les fêtes bibliques, ce ne sont pas les fêtes juives. Je prends un risque, mais je le dis. Ce sont les fêtes de Dieu. Effectivement, qui a donné à l'Église la première dispensation ces fêtes, mais ce sont ces fêtes pour nous tous. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait sa part? Qu'est-ce que nous, nous devons faire? Quel est l'état de notre terrain? Alors, le tableau, ce tableau-là, ce qui nous intéresse, c'est la dernière partie. Pas en haut, parce qu'en haut, c'est encore une autre étude. C'est deux études parallèles. Donc, Dieu nous demande à nous rapprocher de lui en sacrifice vivant. Et dans ce sacrifice, eh bien, surtout en ce qui concerne les sacrifices de l'expiation. Ésaïe 1, 18 nous dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront. Et s'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. Donc l'expiation, notre vie doit être une vie d'expiation. Nos pionniers ont compris quand Jésus-Christ passait dans le lieu, du lieu saint au lieu très saint, que c'était un autre niveau de son ministère pour nous. Il est avocat, d'accord. Mais vous savez, si vous commettez aucune faute, vous n'avez pas besoin de prendre un avocat, n'est-ce pas? Il nous a dit dans le livre de Jean, si nous péchons, nous avons un avocat. Mais c'est bien de savoir que nous avons un avocat. Qu'est-ce que le peuple de Dieu doit faire? En quelque sorte, c'est la vie pratique d'aujourd'hui. L'automne est le moment opportun pour faire quoi? Pour préparer le terrain, n'est-ce pas? Je dirais, en termes théologiques, eh bien, aujourd'hui, l'Église est amenée à faire un bilan pour se préparer. Je me souviens quand mon grand-père faisait de l'agriculture, à l'époque, c'était des ignames. Eh bien, des cabets. C'était rempli d'ignames. Mais il prenait toujours, il enlevait une partie des plants pour après. Et il regardait comment ça a fonctionné, comment a été la récolte. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qu'il n'a pas pu faire. Surtout à l'époque, on mettait chlore des cornes, etc., etc. Donc, il faut préparer le terrain. Il faut moissonner les dernières récoltes d'été, nettoyer le terrain, extirper les vieilles et les anciennes racines pour que le sol soit propre. Ça concerne aussi, enfin, c'est l'adversité spirituelle. Dans Marc 11, verset 20, il faut aussi retourner légèrement le sol. Et retourner le sol, eh bien, c'est ce changement de logiciel, ce changement des habitudes, ce changement des pensées, de pratiques. Et je dirais, par manque de rigueur, bien souvent, par manque de rigueur spirituelle, on est dans des habitudes et qu'on ne veut pas changer parce que l'homme, c'est difficile à l'homme de changer. Vous voyez, le calendrier civil, Israël était dans ses habitudes civiles, mais Dieu a dit, les convocations, on va renverser le calendrier. On va renverser cela. Il faut aussi broyer, si possible, les matières sèches pour faire du compost. Mais il y a des choses... Les matières qui sont séchées, ce ne sont pas forcément ce ne sont pas des choses qu'on mange. Mais ça sert. Qu'est-ce qu'on peut broyer dans nos vies? Prenez avec moi le texte de 2 Corinthiens, 10, verset 5.
Je vais vous lire à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser nos forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Voilà. Quand nous retournons notre sol, notre terre, c'est de vouloir nous retourner, nous-mêmes, nous laisser Dieu nous retourner. Dans Malachie 3, verset 3, il y a encore une autre idée qui apparaît. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argile. Il purifiera les fils de Lévi et il épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Quand nous broyons les matières, c'est ce que nous mettons autour des plantes, eh bien, il y a un effet positif, les composts. Ça donne entre de l'engrais naturel. Eh bien, il faut laisser Dieu nous broyer de temps à autre, ou je dirais même souvent. Il faut aussi faire des trous pour la plantation. Parce que Dieu nous permet de faire cela. N'oublions pas, au terme de cela, eh bien, il y a un effet positif, parce que Dieu enverra l'appui, mais aussi c'est pour qu'il y ait des fruits, de la moisson. Faire des trous de plantation, percer l'hermétisme. Bien souvent, nous sommes fermés dans notre être. Nous ne pouvons pas prendre autre chose. J'ai été formé comme ça, c'est bon. Mais nous sommes fermés à toutes, entre guillemets, nouvelles pensées qui ne sont pas forcément des nouvelles, mais qui sont là depuis longtemps. Comme Jean dit, je vous donne un commandement nouveau, bien que ce ne soit pas nouveau. Percer l'hermétisme de notre être. Et pour cela, il faut souffrir. Parce que lorsqu'on fait des trous dans le sol souffre. Donc si nous sommes le champ de Dieu, eh bien nous souffrons. Mais c'est la souffrance utile, la douleur utile. Hébreux 8, verset 10. Faire des trous. Voilà comment Dieu veut faire des trous. Après cela, donc Hébreux 8, verset 10, c'est un texte que vous connaissez, qui se trouve aussi dans Jérémie 31. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits. Ben, dis-moi comment vous allez mettre quelque chose dans mon esprit. Des trous spirituels. Pour mettre toi qui es dans la médecine, pour mettre des pincemakers dans le cœur, il faut percer, non? Voilà. Je les écrirai dans leur cœur et seront... Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dans le moment loin, ça a été dit. Voilà pourquoi Dieu a mis ces convocations, cette convocation, le temps de rassemblement. Et je dirais qu'il est temps que l'Église se rassemble. Il est temps que l'Église de Dieu, que ce soit à Bagnolet, partout, se rassemble autour de la parole de Dieu, autour des études, autour de l'édification, le rassemblement. Dans Joël 2, il est dit qu'il faut sortir, que l'époux sort de sa chambre. Et il faut, alors j'ai les pensées, mais voilà. Mais il faut que l'époux et l'épouse sortent, et même les enfants à la mamelle. Et dans Acte 2, verset 42, et bien là, c'est un texte que vous connaissez, je dirais, où il y a tout. Tout le plan de Dieu pour que, quand Dieu envoie sa pluie, eh bien, qu'il y ait du résultat.
Acte 2, je vais vous donner un aperçu. Voilà, acte 2, à partir de 42, il persévéra dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres, etc., etc. Et à la fin du verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Nous avons tout le programme de Dieu. Et les fêtes y contribuent. Enfin, je dis les fêtes, c'est cette convocation. Et je suis triste de vous dire parfois, je dirais, l'Église est compartimentée. Je le dis. Et peut-être c'est un temps de réflexion. Et quand je dis ça, ce n'est pas l'Église de Bagnolet spécialement, je parle de l'Église dans son ensemble. C'est tellement compartimenté que quand je vois que la société a essayé à tout moment de détruire la première cellule de l'Église qui est la famille, ça c'est la société. Par tous les moyens, d'une certaine manière, on voit qu'il y a une dislocation. Et je ne veux pas comprendre que dans notre ministère, eh bien, qu'il y ait autant de dislocations. Et je prends un exemple très simple pour parler de la famille. Parce que d'une famille, il y a papa, maman, enfant, frère, sœur, etc. Et le texte de Joël nous dit cela, rassembler tout le monde. C'est une sainte convocation. Et je crois qu'il a parlé de ça aussi, ça concernait une fête. Je préfère prendre le texte pour ne pas paraphraser. Voilà, Joël 2. Faites des trompettes. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une cette réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux saute de sa chambre, de sa demeure, et que l'épouse de sa chambre, etc., etc. Toutes les fêtes, mais surtout en plus, là où nous sommes, les fêtes de trompettes, expiation et fêtes de tabernacle, eh bien, on voit bien que le temps est très court. Donc, c'est une critique objective, c'est une appréciation. Parce que nous avons un ministère de la famille, mais nous avons un ministère de la MAE. Nous avons un ministère des femmes, un ministère des hommes. Et chacun réclame sa fête, chacun réclame son sabbat. Il va falloir qu'on réfléchisse là-dessus. Et peut-être la conférence générale m'entend, mais il va falloir qu'on réfléchisse. Christelle disait l'autre jour, j'ai bien écouté, qu'il faut venir en bleu, je ne sais pas quand. Le 19 est tout le monde en bleu. Là, dit tout le monde. Ça veut dire que ceux qui ont 70 ans, c'est ça, hein? Donc je peux venir, voilà. C'est ça, il faut qu'on réfléchisse à plein d'autres choses. Et pour finir, j'aimerais passer à l'autre fête. Alors, on a parlé de l'expiation, vous pouvez approfondir ça chez vous. On n'a pas le temps de faire une étude approfondie ce matin, mais ça, il y a beaucoup à dire. La fête du tabernacle se présentait dans quel jour? Il faut, c'est très important. Nous sommes toujours à la fête au mois de Tishri. La fête d'expiation, c'était le 10e jour du 7e mois. Donc on voit bien que Dieu, il y a la notion du temps qui est toujours là. Il y a la notion de l'événement qui est toujours là. Il y a la notion de l'enjeu pour le peuple de Dieu, c'est la sainteté. Retour à la sainteté. Il est très important aussi qu'on pense à cela. Parce qu'on ne peut pas ne pas revenir à la sainteté et vouloir faire des actions pour Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu dit, si vous obéissez, si vous faites ça, je reprendrai la pluie. Pas l'inverse. Et si nous devons prier, nous devons dire à Dieu de renverser les temps et les circonstances, nos circonstances à nous. Je le dis peut-être avec beaucoup de force, mais c'est parce que j'y crois réellement.
Je me réjouis d'une certaine manière. C'est que vous savez, le pasteur vous a dit l'autre jour, et on y travaille, qu'il y a des groupes de réflexion pour vision d'avenir. C'est une réflexion. On n'a pas la prétention de faire des programmes en disant c'est ça, parce que ce sera soumis à l'Église. Mais le fait d'y penser, c'est une très bonne chose. J'ose espérer que s'il y a des idées, les idées ne viennent pas que nos idées, parce que nous voulons renverser les choses. Ce ne sera pas possible de renverser les choses parce que nous avons le plan. Voici comment il faut faire les sacrifices. Voici comment il faut sonner de la trompette. Voici comment il faut se comporter dans cette communion. Et cette pluie-là a pour but la moisson des fruits. La fête des tabernacles. Lévitique 3 nous le dit, mais nous avons aussi Somme 15 qui nous fait nous poser une question. Au Éternel, qui séjournera sous ta montagne sainte? Qui habitera sous tes tentes? C'est ça, hein? Voilà, les tabernacles, c'est tentes. On dit la fête des huttes ou la chouka. Donc, en quelque sorte, nous voyons que cela doit nous préparer pour cette moisson. Et Apocalypse 20, je suis à la fin. Vous prenez avec moi Apocalypse 20. Attends. Alors, excusez-moi, ce n'est pas 20, mais c'est 21. Donc, en faisant un tableau, j'ai mis un 0 à la place du 1. Apocalypse 21, verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je lirai partie du verset 1er. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Nous comprendrons bien que ces pensées agraires ne sont pas que agraires, mais ils doivent être agréés dans notre cœur, dans nos vies, de manière pratique, parce que c'est le résultat. Le résultat, c'est la fête des tabernacles. Et après, il y a le grand jour, après la fête des tabernacles, dont je n'en parle pas. Pour qu'on soit ensemble cette fois-ci avec Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, qui va moissonner, ce sont les anges. Matthieu 13. Ce sont les anges qui vont moissonner. Et qui vont moissonner qui? Quoi? Des pommes? J'espère qu'ils vont nous moissonner. Pour qu'on soit avec notre Sauveur. C'est cette pensée pédagogique que Dieu a voulu nous donner. En travaillant avec lui. Qu'on soit co-ouvrier avec lui. Qu'on soit partenaire avec lui. Et qu'on soit son champ. Nous attendons cette merveilleuse espérance. Nous l'attendons avec fracas et laissons Dieu renverser les choses. Mais ce qui est très important, c'est que Dieu dit, je vous donne mes sabbats pour que vous sachiez, je suis l'Éternel qui vous sanctifie, qui nous rend saints. Dieu veut qu'on revienne à la sainteté, le retour à la sainteté dans nos vies, le retour à la sainteté dans l'Église. Et quand je dis dans l'Église, dans la vie pratique de l'Église, dans tout ce qu'on fait, c'est ce qui est important. Vivre avec Dieu, la sainteté. Les actions viendront après, parce que ce ne seront pas nos actions, mais les actions de Dieu, car c'est lui qui a préparé les œuvres d'avance pour nous, pour que nous puissions les pratiquer. Sommes-nous dans cette attente? Est-ce que nous sommes dans cette attente? Eh bien, je vais finir avec ce moment, mais je ne peux m'empêcher de vous lire un dernier texte qui nous concerne tous.
dans Jacques 5. Prenez avec moi Jacques 5. Jacques 5, 7 à 8. Soyez donc patients, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenez patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison, les pluies de l'automne et les pluies de printemps. S'il n'y a pas de pluie de l'automne, déjà, si nous n'avons pas fait le nécessaire, la pluie va tomber, rien ne se passera dans le jardin, n'est-ce pas? On ne plante pas, on ne sème pas, mais la pluie tombe. Il faut qu'on renverse ses pensées en disant que Dieu fait pleuvoir et nous, on ne fait rien. Donc, il va nous bénir, on ne fait rien. Préparer la terre, semer de la manière dont il veut qu'on sème. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et je peux vous dire que l'avènement du Seigneur est vraiment proche. Parce que dans le chanté que l'automne, c'est un nouveau printemps. L'automne, c'est un nouveau printemps. Parce que les deux sont liés. Si on veut recevoir l'appui de l'arrière-saison, eh bien, il faut planter, il faut semer. Il faut nous semer en terre. Et je peux comprendre qu'il y a beaucoup de questions qui nous viennent à la tête. Est-ce que nos vies aujourd'hui sont en règle pour que, quand la pluie tombera, eh bien, que ça puisse germer, qu'on soit cet arbre planté près de condo qui donne des fruits? Réfléchissons-en, mais la promesse de Dieu est certaine. Et je veux qu'on parte avec la promesse. Tout ce qui a été dit, ce que nous devons faire, prenons-le. Mais partons avec cette promesse. Seigneur, j'ai envie de faire ce que tu me dis. Je n'ai pas la puissance. Fortifie-moi toi-même. Envoie les petites pluies, les arbres de l'esprit pour m'enraciner. C'est toi qui es l'âgre, mon Père. C'est toi qui es le bûcheron. Élague-moi. Et pour que la puisse porter des fruits, nous sommes dans l'œuvre de la sanctification. Sanctification et sainteté, ça rime. Sanctification et santé physique, spirituelle, ça rime. Donc nous avons tout un programme, mais nous avons tout un arsenal. Mais Dieu a mis une bibliothèque d'instructions pour nous. C'est à nous d'agir. Que Dieu nous aide. C'est là ma prière pour moi, c'est là la prière pour vous, c'est là le projet de Dieu pour nous. Qu'il en soit ainsi dans nos cœurs. Amen. Je viens, combattez encore, dit Jésus à tous. Et nous lui répondons, oui mon Seigneur, je t'adore, je lutte à genoux. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. Je vous invite à vous tenir debout et nous chanterons les paroles de ce cantique. Cantique 354 de notre hymne et louange. Ensemble, le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons, amis, la bannière du Sauveur en croix, et que notre armée entière
genoux. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. À vous mettre à genoux pour la prière. Oui, mon Sauveur, je viens combattre. Oui, Seigneur. Invoque-moi au sein de la détresse et mon bras puissant te sauvera. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux. En ce sabbat matin, je voudrais te dire, Seigneur, pardon. Pardon pour moi, pardon pour chacun de nous ici présents en ce matin. Nous ne sommes rien devant toi. Tu as choisi ton serviteur et à travers ton serviteur, tu nous as parlé à travers ta parole. Chacun de nous a quelque chose à retirer de ce message de ce matin, une réflexion. Tu nous appelles, Seigneur, à un renouvellement chaque jour. Les Bériens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écoutaient, mais quand ils entraient chez eux, ils allaient sonder les Écritures pour voir si cela était exact. En ce matin, Père éternel, puissions-nous prendre conscience de l'état où nous sommes devant toi. Nous ne sommes rien, rien du tout. Je voudrais te prier vraiment, afin que nous puissions étudier, afin que nous puissions chaque jour renouveler cette expérience avec toi. Accorde-nous ta paix, accorde-nous ta grâce, mon Dieu, et donne-nous cette sainteté. Merci que ton Esprit Saint puisse habiter en nous et que nous puissions le demander chaque jour. Tu nous as dit, aie foi en toi, tout ce que nous demanderons en priant, nous l'aurons. En ce matin, Seigneur, je te prie pour ton peuple de Bagnolet, afin, Seigneur, que nous puissions vraiment renouveler cet engagement avec toi, que nous puissions te prier sans cesse et étudier ta parole, car chacun de nous, Seigneur, tu as quelque chose à nous montrer. Les temps sont difficiles, ton retour approche. Aide-nous, Seigneur, à ne plus regarder en arrière, mais avoir les yeux fixés sur toi, et que nous puissions ensemble nous tenir main dans la main, dire à chacun de nous, avançons ensemble, afin que cette trompette puisse sonner, que nous puissions porter ce message à d'autres qui ne te connaissent pas. Père éternel, assiste-nous, bénis-nous et que toute gloire te revienne. Non que je sois digne devant toi, mais au nom de ton cher fils Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. De Dieu, du Seigneur.
Peuple de Dieu, lève-toi et sois éclairé. Peuple de Dieu, lève-toi et sois arrosé. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Nous avons débuté ce culte avec une phrase. Restons sous la grâce. Nous avons commencé en accédant au trône par la grâce. Et nous venons de recevoir encore la grâce à travers les chants et la prédication de ce jour. Passez un bon sabbat. Demeurez sous la grâce. Et surtout, n'oubliez jamais que Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Donc profitons pleinement de cette grâce et n'oublions pas de surtout la partager avec ceux qui ne l'ont pas ou ne la connaissent pas. Soyez bénis et que Dieu vous raccompagne dans vos demeures et surtout, bon appétit. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant. Charmé avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Son beau nom fait vibrer mon cœur. C'est bien son regard, sa faveur qui bannit les pleurs de mes yeux. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait, car je suis quand tu me souris, heureux en janvier comme en mai. Change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Heureux et fier de témoigner le nom de Jésus en tout lieu, où qu'il est doux de le louer, proclamons sa gloire en tout lieu. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver. Change les
satané.